commenter. Il y a un autre match. Voilà, on peut commenter. Donc Raoul en train de débrancher son set. Raoul, si tu m'entends, t'es trop loin. Ah. Voilà, voilà. Et donc là, on a Onarap en arrière-plan qui appelle d'autres gens pour venir jouer. Parce que c'est un peu ça la vie de Tio, c'est-à-dire ne faire que appeler des gens pour qu'ils viennent jouer sur leur set. Et la plupart du temps d'ailleurs les gens sont dehors en train de fumer, donc c'est un peu compliqué parfois, mais on fait comme on peut. Et voilà, les gens qui faisaient le karaoké ont disparu. Pour ma plus grande tristesse. Et donc là on a une invitée très spéciale avec nous qui s'appelle, alors comment tu t'appelles? Lil Dragon, voilà. Alors Lil Dragon, ah bah d'accord, donc on a donc une rappeuse. Instant promo, nous avons donc Lil Dragon. Quoi? C'est pas vrai. Ah bon bah dommage, c'est pas vrai. Donc que fais-tu là ce soir, Lil Dragon? Bah je suis venue voir ce que c'était un peu le Player One, découvrir un peu les compétitions de Smash Bros, mais visiblement je suis arrivée trop tard pour m'inscrire. Donc, ouais, de toute façon je me serais fait exploser, donc c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est de participer. Ouais. C'est toujours sympa. Mais du coup tu fais quoi là? En fait tu filmes les fesses? Alors, en fait on a une caméra là, une caméra là, et il y a un strip. Je suis experte en commentage, en fait en meublage, clairement, parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait, parfois. Donc moi je suis experte en meublage et je laisse les autres commenter les matchs. Bonsoir tout le monde, c'était Titouti. Salut Pacha ! Damo! Eh hey, Bakou, on a combien de viewers là? Wow. Merci aux 9 personnes qui regardent le stream actuellement, ça nous fait très plaisir. Si vous voulez la prochaine fois, rejoignez-nous, on le redit, rejoignez-nous au Player One. Bonne ambiance, bonne boisson, de la bonne musique. Et des gens très gentils! Voilà, ça se prépare. Tu commentes le match? Tu fais quoi? Oui, alors en fait on a un micro juste devant ça comme ouais, tu peux le voir. Et en fait, voilà, les gens viennent, les gens repartent. Ceux qui veulent commenter, commentent. Si tu veux raconter ta vie, tu peux. Mais bon. Ah putain, c'est trop bien. Voilà. Et en fait, alors, JVJ comme Jean Valjean. On a donc deux Falco qui jouent. Les 9, comme la communauté de l'anneau, si je me trompe, si j'ai fait une faute, excusez-moi. Ah, je l'avais dit. Alors. Ils bannissent des maps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je vais en mettre mon père. Tu joues? Non, mais. Ah, t'es fort toi aussi. Courage! Non mais en fait là tu vois tout à l'heure le mec qui nous faisait chier avec la télé, ben là c'est toi en fait. Non mais je rigole. Hop, il joue douce. Ah j'arrive pas à le dire, il joue donc sur Yoshi. C'est le mec qui est le plus sous-côté de la communauté française. Dis-le, vas-y redis-le. Damo c'est le mec le plus sous-côté de la communauté française. Voilà. Wow, 9 personnes l'entendent. Ça va changer le monde ça. Ouais, les gens ne savent pas. Je sais même pas pourquoi je suis venu, franchement. Si vous voulez, je compare avec vous. Salut, ouais!
viens, viens, tu veux venir commenter un peu? Alors on a Brainsteam, c'est ça? Brainsteam qui vient nous rejoindre sur le stream. Enfin sur le stream, pour commenter. Ah d'accord, ok. Je me sens très... On va casser le siège. Je n'ai pas compris de quoi tu parles. Ça va, tu sais commenter un peu les vidéos? Non, pas sur ce jeu. J'ai fait 3 parties de ma vie à ce match. Vas-y, tu t'es fait un slow tour, Oui, j'ai perdu 2 matchs. Voilà, bah c'est bien, c'est bien. Parce qu'après tout, les tournois au Player One, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des très très bons joueurs qui sont là, mais il y a aussi des joueurs comme moi qui suis avec vous depuis tout à l'heure, ou comme Brainsteam, qui sont absolument des grosses brelles. Non, je rigole, désolé pour toi, mais voilà, parce qu'il y a tous les niveaux quand même, on accepte toutes les personnes. J'ai pris 2-0-2. Voilà, c'est bien. Voilà, on dit ça pour les gens qui ont peur de venir, même si, à mon avis, les gens qui ont peur de venir ne regardent pas le stream. J'ai viré donc Jean Valjean, c'est Pacha bien sûr. Il y a une belle remontée quand même de la part de... Mm-hmm. Là c'est... au même niveau. Falcon, c'est Tiercan leur personnage, c'est ça? Ouais, c'est un des joueurs les plus joués. Et c'est bon, une stock de prise. Pour Pacha. Petit instant boisson, parce qu'il faut rester hydraté. C'est devenu nul le stream hein, depuis que Gulli il est parti. Gulli, pardon, j'ai dit Gulli. Ah oui, 19h, putain. Et t'as tellement perdu qu'après tu t'es dit c'est bon, j'arrête, c'est ça? Mais non, mais je suis plus dans le tournoi en fait, je suis sorti. Ah oui, carrément, d'accord. Tu t'appelles le bracket loser et tu t'es éliminé en winner. Bah, j'ai perdu en winner et après j'ai perdu en loser. Mais venez, hein, n'hésitez pas. Hein. Moi j'ai joué 3 fois mêlée dans ma vie, dont 2 néocanes. Dites dans les commentaires si vous entendez la musique ou pas. Je sais même pas si ça fait commentaire. Il y a combien de personnes qui regardent? Il y en avait 9 tout à l'heure. Et là, il y a combien? 8. Depuis que t'es arrivé, il y en a un, il est parti. Ah merde. En fait, c'est moi. Ouais, voilà. Ouais, exactement, c'est ça, au bal masqué. Ah merde, ils entendent la musique alors. Mais en fait, l'argent qui est pris pour. Les moi, je pensais que j'allais streamer pour les distribuer sur le top 4 pour le cash prize. De fou, tu sais. Avant top 3 et c'est passé à top 4. Après j'ai compris que j'avais même pas la place sur le canapé et du coup que j'étais sur la coudoir et j'ai compris que... On pourrait mais non tu vois, ce sera maudit, tu vois. Moi je crois que c'est Vous appelez comment? Anaïs.
D'accord. Donc nouveau gamer dans Smash Bros. Non, en fait, j'ai lui qui est un pote à moi, et en fait à chaque lui fois... Oui, lui. Bah lui, c'est un pote à moi, je crois. Et lui, à chaque fois, ouais, je crois. Je crois, ouais. Et en fait, ils me prennent à toutes les LAN de mêlée, de... mais du coup, j'ai jamais fait une partie en dehors d'une LAN. Mais t'as pas de bol, alors toi aussi, tu te fais traîner dans les vieilles choses, ok, d'accord. Moi, je me fais traîner dans la boue. Et tu te fais démonter en plus, comme moi, quoi. Ouais. On aurait dû jouer ensemble, c'est une chose que tu t'aurais battu. Non, mais moi, si j'avais su qu'il y avait des gens. Parce que moi, je. Non, mais c'était trop. Je veux pas qu'ils entendent. Quoi? Je veux pas qu'ils entendent. Non, mais moi, chaque fois, j'ose pas m'inscrire. Hein, mais moi, je me suis. J'ai besoin de plus de joueurs comme toi pour moi. Moi, j'y vais tout le temps. Je me dis, au pire, je me fais 2-0. T'es là en dernière édition? Non. Ah, ouais. Tu viens aux prochaines éditions? Allez. Prochain tour. Il y a quand même eu une victoire de Damo que personne n'a commenté. Hein. Bah c'est bien. Voilà. J'ai oublié ton prénom parce que j'ai deux secondes de mémoire. C'est bon. Je m'appelle Anaïs. Anaïs. Nice to meet you. Charles. Je vais te donner un autre prénom. C'est quoi ce que t'avais écrit sur ton nom? Il y avait le pseudo que j'utilise depuis que j'ai 8 ans. J'ai peur. C'est Bren Steam. Ça passe. J'ai alors, Stan, non, on t'attend. Ibarda papa. Quelle fiche. Quoi? J'ai dit quelle fiche. Je veux venir comme j'ai tout à l'heure, on a de tous les niveaux. À streamer du. C'est à cause de lui, je te dis. Lui? Oui, lui. Je me dis quand même, on sait jamais si c'est déjà fait niquer, tu sais. Il est en train de se faire des trucs en plus. C'est ça. Bah, Mathéo, qu'est-ce que tu fais? Quel nul. Alexandre, il joue le mec qui m'a envoyé en loser bracket. Merci. T'as gagné 2-0. Tu vois, ton ami il est mieux que lui. T'as du bol. Moi j'aimerais bien avoir ton ami aussi, parce qu'il gagne. Ouais, mais t'arrives au moment où je peux ça faire dans votre équipe. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour qu'on nous retrouve à streamer du coup du mêlée? Quoi, t'as un problème que les gens qui font ça? Il a de la vie. Allez, Pacha! Tu sais pourquoi tu te retrouves dans des endroits, tu sais pas pourquoi? Et bah, c'est ce moment-là, en fait, on parle de même. Mais sinon, à part ça, il a rage-quit, c'est pas. Mamie, j'ai plus d'air. Mamie, elle a gagné, il va pas partir. Bah, non, je suis resté là du coup. Putain, il a sa manette. Bah oui, ils ont tous leur manette. Moi, j'ai joué avec sa manette. J'ai pas de manette. Pacha! 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 L'Extra Life, c'est un café qui se trouve à Paris, vers Jussieu, et ils font également des tournois le jeudi après-midi. Avec Pacha ce soir. Ah mais l'Extra Life, c'est pas ici. Hein. Non, non, je crois que c'est parce qu'il y a, en fait, il y a des tournois au Player One, mais il y a aussi des tournois qui se trouvent à l'Extra Life, qui sont assez sympas. Mais il faut faire du placement de produits là. Un petit peu moins, tout aussi connu, mais. Regarde, il a tellement de seum, il a pris de la bière. Non, vas-y, je passe par un ami, là, je te passe le mot. Non, le mien, il m'a battu, je l'aime pas. C'est un peu moins connu, on va dire. Qui t'a battu? Mais du coup, ouais, Extra Life. Il m'a 2-0. Qu'on recommande quand même aussi, parce que très bonne ambiance également. Bon, c'était peut-être un accident, mais j'ai réussi quand même. Mais c'est plus petit comité, en fait. Les joueurs qui viennent sont un petit peu plus... Je jure pas, il a fait. Là, il y a ici, ce soir, il y a un peu tous les niveaux. L'Extra Life, c'est spécifiquement des joueurs. Donc vous ramenez vraiment vos manettes. Je pense qu'il y a moins, mais avant, sans mal parler, il y a un petit peu moins bon. Mais c'est quand même tout à fait très très bien. Ah bon? Mais moi, je casse du mêlée tous les jours. Ouais, ça va? Pardon, je suis très nul au check.